je vais leur demander leur prénom. Moi c'est Julien. Moi c'est Christophe. David. Et Léo. Bon, je m'appelle aussi David, donc il y en a deux. Oui, on a un surnom. Ouais, on a un surnom. Donc, les armées que vous jouiez. Donc, Tyrannide. Moi, l'Empire Tau. Eldar. Et aussi Empire Tau, il y en a deux. Encore. Empire Tau, ouais. Ok. Hein. Donc, toi, c'était... Moi, c'est Tyrannide, donc. Alors, tu avais moi, quoi, c'est une armée basée sur le psy. Okay. Du coup, je fais très mal en pouvoir psy. Et peu de tirs, un tyran ailé qui close pas mal et qui va très vite pour surprendre un petit peu l'adversaire. Donc ton armée t'es composée de tu dis un petit peu la composition de l'armée. J'ai un orotrope en QG avec un prince tyrannide volant. J'ai deux escouades de zoanthropes, de trois zoanthropes. J'ai trois escouades de guerriers tyrannides, dont une avec huit figurines qui tankent pas mal. Et après c'est tout pour moi. Et toi ? Donc moi je jouais Empire Tau, dans la liste en gros j'ai une armée vraiment avec deux grosses enclumes de Crisis. Donc c'est-à-dire que c'est deux grosses unités avec plein de drones qui vont vraiment être là, qui vont jamais crever en fait parce que c'est super dur à tuer. Et avec une grande mobilité en fait. Après j'ai quasiment que ça dans l'armée, donc c'est-à-dire deux grosses unités de Crisis. Et après un commandeur, un éthéré et une unité de 10 croûtes et voilà. Et en gros le principe c'est que ça bouge très bien, ça peut advance et tirer, donc on prend facilement la table et derrière c'est intuable. Voilà. Ok. Et, confirme. Et toi ? Alors moi, Eldar Azuriani, donc j'ai un QG de prophète sur motojet, 4 motojets avec rayonneur laser, 2 escouades de 5 rangers, avec fusil sniper, une escouade de dragons de feu, flamboyant maintenant, une escouade d'araignées, toujours en 5, 5 araignées spectrales, un prisme de feu et un chasseur écarlate. Donc c'est une armée full tir comme on dit. Et comment ça s'est passé, les points forts, les points faibles ? Est-ce qu'il y a des trucs par exemple, je sais pas, que vous attendiez pas ? Bah, nous on s'attendait à faire mal. On a monté la liste, les deux listes séparément sans réfléchir particulièrement l'un ou l'autre, mais bon, c'est les deux codex un petit peu hype du moment. Du coup, ça a été un petit peu easy de notre côté quoi. Voilà, au début on a eu un peu peur du Hammerhead parce que mon cher confrère Tau joue un Hammerhead qui a la capacité de one-shot beaucoup de choses et mon coéquipier joue un prince tyrannide, donc on a essayé de bien planquer le prince tyrannide pour pas que le Hammerhead le voie. Et après ça a très vite basculé dans une partie à sens unique, c'est à dire que je sais pas, voilà, on a snowball plus que eux en fait, c'est à dire qu'on a commencé à tuer plus de choses que eux et derrière ils avaient plus la capacité de répondre en fait, c'est voilà. Et puis sachant que mon coéquipier joue énormément sur le psy. Et c'est des armées en fait qui ont quasiment rien pour se protéger du psy, donc ce qui fait que derrière ça va très très vite de son côté aussi, il grignote énormément très rapidement les unités, même si l'autre joueur Tau jouait des Crisis, c'est le genre de truc que les Crisis ça déteste, c'est le psy quoi, c'est le psy. Ben, je vois que vous avez quand même une armée, il y en a une qui est fort au tir et une au corps à corps. Est-ce que c'est pas le genre d'armée qui est intéressante dans le tournoi ? Alors oui et non, c'est-à-dire que le Tyrannide on peut penser que c'est fort au corps à corps. Mais oui, ça peut l'être. Mais là, à l'heure actuelle, notre orientation de liste, c'était pas du tout fait pour le corps à corps. En gros, dans le corps à corps, dans son armée, il y avait une figurine, c'était le prince. Voilà. C'est le prince qui arrive, qui est là sur la table, hop, il tue une unité, il repart en l'air, tour d'après, il retombe, il retue une unité. Là, il peut pas repartir le tour où il est arrivé, mais le tour d'après, il repartira en l'air. Et ça, c'est un peu la seule unité qu'il avait de corps à corps. Après, tout le reste, c'est vraiment du psy et les guerriers tyrannides qui coûtent pas très cher et qui tankent, en fait. Voilà. Okay. Voilà. Qui tire un peu et qui close un peu, mais c'est vraiment pas leur objectif principal, c'est vraiment le tanking en fait sur ce genre d'unité quoi. Ok, voilà. Très peu de corps à corps sur cette partie de toute façon. Très peu de corps à corps, alors que du tir. Ouais, voilà. Que du tir, bon. C'était une partie de paintball. Ok. Moi concernant ma liste, bon je dirais à forte létalité, tout comme mon confrère. Le truc c'est que bon, la même mobilité ça m'a permis sur les premiers tours d'esquiver pas mal de choses, mais sur la durée je reste très fragile, donc comme il a dit mon confrère, on a perdu des unités assez rapidement et on n'a pas pu relever face à ce qui est indubitablement une
une immense résilience de l'armée adverse. C'est vraiment super costaud. Ça, ouais, c'est très, même avec la létalité qu'on a, je pense pas qu'on pouvait gagner. Mmh. On aurait pu, je pense, marquer un peu plus de points si, comme mon collègue m'a dit en fin de partie, on était resté en retrait. Un peu au début, on aurait dû les attendre. Trop avancé, okay. Et je pense que ça nous a pénalisé de quelques points, je pense. Ok, donc quand on peut pas gagner, il faut mieux rester plus en retrait. Non, c'est pas ça, parce qu'en fait, avec un peu de chance et un peu de malchance pour eux, ouais. Si on les laisse un peu approcher, qu'on leur tue un peu plus d'unités, parce qu'on l'a vu qu'on arrive à leur faire mal aussi quand même. Et ben en fait, après, dans ce monde-là, on aurait peut-être pu gagner. Voilà. Mais là, on s'est jeté sur eux un peu. Traite unité contre unité, comme c'est des unités puissantes. Ouais. Grâce à mon psy, si on commence à voir l'alpha strike. Et descendre des unités qui ont une grosse capacité de nuisance, et ben cette capacité elle baisse très rapidement en fait. Mmh. Et du coup derrière à leur tour, ben ils ont beaucoup moins de tirs, ils ont beaucoup moins de létalité. C'est super létal quand c'est tout neuf. Ouais. Mais tout de suite en fait on perd beaucoup de létalité dès qu'on perd. On avait quand même plus de portée qu'eux en plus. Ouais, okay. On aurait dû en profiter, prendre avantage là-dessus. Perdu l'unit, moi ça m'allait très bien. Ouais. Oui, on aussi, j'aurais voulu. On aurait eu l'unit, effectivement, on ne pouvait rien faire. Là sur la partie, c'est nos adversaires qui ont commencé et on voulait surtout pas commencer, en fait, pour les raisons qui sont expliquées là. En fait. Moi je pense que toutes les parties, c'est ce qu'on voudrait avoir le T2. C'est ça. Ouais. Okay. L'autre il sort, il s'expose et on tire. Ça se joue toujours sur un jet de dés. Si on peut se cacher comme il faut, si en face il n'y a pas du tir longue portée. Non, parce que t'as d'autres armées où c'est l'inverse. C'est T1 dépendant, il faut l'avoir. Oui. Bon, mais merci beaucoup pour... Capitaliste, oh là là. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview et bon courage pour la suite de ce tournoi. Merci. Nous voilà pour le tour 2 de Double Massacre de Warhammer 40 000, le tournoi. Donc on va aller voir ça de suite. Là, on est le dimanche, donc on va voir la suite du tournoi Double Massacre. On est au tour 3, c'est parti.
avec des joueurs pour le tournoi Double Massacre 40K, qui est la troisième partie, et ils vont nous raconter leur prénom et leur armée. Alors Eric, du coup moi je joue une armée d'Arlequins, Ali avec du Space Marine Salamanders. Donc le thème de l'armée, les Arlequins ce sont des sortes d'Eldar qui vont super vite, donc je joue beaucoup de motos pour aller très vite dans l'armée adverse. Et mon collègue, il joue des Space Marines, mais alors lui c'est tout l'inverse. Il reste, il fait son petit château à l'arrière et puis il attend la fin de la partie. Voilà. Oh, ok, et vous alors? Moi je joue Tau. Je m'appelle Léo. Léo. Voilà, je joue Tau et mon collègue David, je joue Eldar Ultoué. Ok, alors maintenant vous allez me dire de quoi étaient composées vos armées et celles de ton collègue aussi. Alors moi du coup j'avais 2x5 motos Arlequin, j'avais 2 véhicules de transport Arlequin, un petit QG et 2x5 players, ce sont des troupes de base Arlequin. T'avais un boss aussi dedans qui était à pied, ouais, non? Ouais, mon QG qui est un héros troop master coryphée avec la rose de Ségoraz pour les connaisseurs, qui est un QG de CAC corps à corps, voilà, qui se projette assez rapidement. Ok, il avait quoi comme arme? Alors un pistolet à fusion et la rose de Ségoraz qui est une arme de corps à corps, une relique de corps à corps qui permet de taper plus fort. Voilà. Ok, et vous? Moi, mon armée, elle se composait d'un char Hammerhead, un QG, 2 troupes qui restaient à l'arrière et 2 gros packs de Crisis qui sont des grosses armures, des gros exo-armures qui sont censés faire mal, mais pas trop sur cette dernière partie. Ok. Et toi? Alors, donc, moi, un QG, un grand prophète sur motojet, c'est un espèce de sorcier. 4 motojet avec des armes anti-infanterie, rayonneur laser. 2 escouades de 5 Ranger Eldar avec fusil des snipers, une escouade de 5 dragons de feu, c'est des armes avec des armes à fusion anti-char, et 5 araignées spectrales, donc pareil, ces armes équipées d'armes anti-infanterie qui sont assez mobiles. Et je crois que c'est. Et non, le prisme de feu, donc c'est un char anti-char qui est polyvalent, anti-char, anti-infanterie, et enfin pour finir, un avion, un chasseur écarlate, avec 4 armes lourdes anti-char, voilà. Ok, oui, et on n'a pas parlé de ton collègue, qu'est-ce qu'il avait comme armée, de quoi était composée son armée? Il était composé, du coup, c'était un joueur Space Marine Salamanders, avec une armée basée sur les armures gravistes, donc les armures lourdes des Space Marines. Donc il avait 2 troupes d'intercesseurs lourds, donc c'est des troupes lourdes en armure gravistes. Une troupe d'intercesseurs normaux, donc c'était les seules troupes sans gravistes. Des agresseurs, sont des troupes, 3 agresseurs avec 2 lance-flammes chacune. Mmh. Et des éradicateurs, sont les troupes en gravistes avec des multifuseurs anti-char, anti-tout à peu près. Et en personnage, un apothicaire, c'est un médecin pour soigner ces Space Marines, les faire revenir. Ouais, le médic et un chaplain pour leur donner des boosts et okay, se battre un petit peu au corps à corps, hein, contre Klaus. Bah, il avait une armée un peu de corps à corps quand même. Oui, alors pas tant que ça, puisque finalement les lance-flammes, c'est plutôt des armes à courte portée. Les éradicateurs, donc ceux qui tuent à peu près tout, ceux qui ont fait beaucoup de dégâts, tirent quand même assez loin. Donc ça, c'est vraiment sa base de feu. Ok. Donc c'est plutôt voilà, milieu de table, je dirais. Milieu de table. Milieu de table. Ok. Tir à courte portée. Enfin, voilà, tir à courte portée. Ok. Donc c'était un peu les deux. C'est un peu tir, un peu corps à corps. C'est ça. Ok. Donc maintenant, vous allez me dire comment vous avez vécu la partie. Voilà, les points forts, les points faibles. Voilà. Et si par exemple, un truc un peu original qui est sorti de la partie. Alors David. Alors moi je dirais sur l'ensemble de la partie, bon c'est un petit peu un constat que je fais déjà sur la première partie du tournoi qu'on a fait, c'est qu'on constate qu'avec la version V9 du jeu, on a une très forte augmentation de la résilience, c'est-à-dire il y a des boosts sur certaines unités qui font qu'elles sont très résistantes aux attaques adverses. Contrairement à la version V8 où avec le tir on pouvait faire énormément de dégâts. Là désormais la résilience supplante sur le tir, ce qui fait que eux avaient nos adversaires, donc entre les Arlequins et Salamanders, surtout les Salamanders, ont 2 armées qui sont très résilientes quand même. Mmh. Les Arlequins sont un petit peu fragiles, mais ils ont quand même des règles très intéressantes, qui fait qu'ils peuvent être quasi aussi résilients que du Space Marine, surtout le Salamander qui a des bonus. Ouais. On a mis 4 tours à détruire la plus petite unité des Salamanders. Ah, quand même. Avec 2 armées de tir.
On a eu un champion. On a eu un champion. Les Eldar et possibilité de contrer un petit peu, de ce qui fait que c'est un peu plus accessible pour au niveau pour détruire les unités. Mais ça dépend du tour, ça dépend de, des dispositions et des circonstances. Donc au résultat, on a une bonne défaite. On a pris une bonne défaite. Mmh. 18-2. Ouais, et du coup, moi, ça me persuade sur le fait qu'au niveau du méta du jeu, aujourd'hui, un V9, il est plus intéressant de jouer une armée résiliente que de tir. Comme une armée d'Eldar, un peu, c'est ça hein. Non, justement, pas Eldar, je veux dire Harlequin. Harlequin ou plutôt Salamander qui est très résistante. Okay. Après, on peut faire effectivement aussi des armées de corps à corps, mais résilientes aussi. Mm-hmm. Mais bon, lui, ils ont quand même pas mal de tirs, les deux, et surtout le Salamander. Et avec la résiliente, bon, ils matchent parce qu'ils font des pertes en face. Et eux, ils encaissent. On est obligé de gérer l'Harlequin pendant que l'autre, il met le scoring et il nous fait mal. Okay. Donc, quelque part, ça marchait bien. C'est un sens unique un peu. Ce que je constate. Et donc, toi, tu as vécu la partie un peu plus sereinement alors. Voilà, un peu plus sereinement. Donc, c'était une belle victoire. Donc, on a déroulé notre plan, c'est-à-dire nos Harlequins qui sont allés devant, c'est des troupes très rapides qui vont embêter le jeu adverse, les empêcher de mettre des points, tout ça, et pendant que... qui meurent vite par contre. Mm-hmm. Au tour 3, il n'y en avait plus. Et par contre, la fin de la partie, donc c'est mon ami des Salamanders qui a fini la partie tout seul quasiment, avec tout, mais son armée intacte quasiment. Mm-hmm. Sachant qu'on a eu un homme du match qui a encaissé tous les tirs de l'armée de façon assez indécente. Donc oui, on a quand même eu un peu de chance là-dessus. C'était qui l'homme du match alors? C'était un simple Space Marine, mais il avait une armure, c'était mieux que Captain... Une armure de chatte. Une armure de... Poil de chatte. Poil de chatte. La chance était là, adamantium, rien ne passait quoi. Ok. Alors moi j'ai une petite question parce que je connais un peu les Space Marines, mais c'est quoi la différence entre les Space Marines et des Space Marines Salamander? Alors ils ont des avantages, notamment empêcher l'adversaire de relancer les blessures, donc ça bloque certaines techniques de jeu. Ils ont aussi des bonus, ils peuvent se mettre des bonus en armure, donc comme je dis qu'ils ont une armure très solide, ils peuvent se mettre des bonus pour résister encore plus. Donc en fait il y a plein de bonus pour augmenter leur résistance. Et ils ont aussi des améliorations sur les armes à fusion et les armes à flamme. Oh, ok. Des armes qu'on joue beaucoup. Sachant qu'il y a eu dernièrement des errata qui donnent encore des bonus à l'ensemble des différentes factions Space Marine, notamment sur les armures. Okay. Donc c'est vraiment pas facile à abattre. Il faut vraiment avoir une très très grosse saturation. 3 points de vie par tête aussi. Ils ont 3 points de vie. La version qui jouait, oui. Parce avec le mec qui les soigne derrière et tout ça. Ah ouais, c'est chaud. Et alors, vu que c'est mon dernier interview du tournoi, est-ce que vous auriez des conseils à donner pour les nouveaux joueurs qui veulent arriver avec une armée et qui voudraient un peu survivre un tout petit peu pendant la partie? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils essaient d'avoir comme armée, si vous avez des idées? Oui, alors comme je disais, une armée à forte résilience, mais avec quand même un minimum de mobilité. Okay. Parce qu'il y a des objectifs qu'il faut aller chercher, donc c'est bien joli d'encaisser, mais là, la spécificité de ce tournoi, c'est qu'il est en équipe. Et les deux joueurs par équipe ne peuvent pas jouer chacun la même armée. Ils doivent avoir des armées différentes, de factions différentes. Donc, pour un joueur qui veut s'initier au jeu, qui joue en solo contre un autre joueur, il vaut mieux avoir une armée, on va dire, résiliente, mais avec une certaine mobilité, parce qu'il y a des points à gagner en allant chercher des objectifs sur la table. Et alors, les armées résilientes, est-ce que il y a quoi comme armée qui existe résiliente, à part les Harlequins et les Salamanders? Necrons, Death Guard, mais ils sont un peu en dessous en ce moment. Ouais. Peut-être sort de bataille, je sais pas comment elle se place. Un petit peu les tyrannides maintenant. Ah ouais, c'était boosté. Ouais, quand même. Juste partout, on a vu. Ouais, les tyrannides, en règle générale, ils font vraiment partie des top codex. Donc, ouais, pour l'instant. Sorti actuellement. Donc on a un peu de difficulté contre eux. Tucson aussi. Tucson. Oui, certes. C'est équivalent. Les custodes. Oui, les custodes. Les custodes sont très résistants. Ouais, c'est voilà, grosso modo, c'est des Space Marines avec une 2+ de sauvegarde. Ça aide beaucoup. Beaucoup de points de vie. On va chercher des points de vie. Et une sauvegarde invulnérable. À voilà. 4. C'est vraiment énorme. C'est-à-dire que c'est une sauvegarde, quand on y est vulnérable, c'est-à-dire que c'est une armure qu'on ne peut pas réduire. C'est-à-dire qu'il y a un jet à faire et on est obligé de faire ce jet-là pour réussir à passer à travers. On ne peut pas infliger des malus à l'armure de l'adversaire. Ok. Et après, pour les nouveaux joueurs, ce que je leur conseille, c'est déjà prendre une armée qui leur plaît. Oui.
ce qu'on dit jamais assez, mais jouer avec une armée est la meilleure du jeu, mais si on prend pas de plaisir au jeu, voilà. Parce qu'on peut prendre du plaisir dans la défaite. Hier, nous, on a eu une très grosse défaite, mais du coup, ouais. On a découvert des armées en face, c'était assez intéressant. Il y a des types de jeux aussi. Mmh. Je pense qu'il y a l'aspect esthétique et aussi l'aspect type de jeu de l'armée. Ouais. Par exemple, si on aime bien jouer offensif et qu'on prend une armée Death Guard, je prends, ouais. Parce qu'on la trouve jolie, ben on va être un peu frustré parce que sur la table, eh ben on n'aura pas le type de jeu qu'on aime, on va être trop en bloc, on va pas avancer, alors que nous on a envie de jouer offensif. Ouais. Donc voilà, c'est les deux choses que je pense qu'il faut bien regarder. Je pense en fait, moi qui ai aussi joué, il faut voir l'armée qui te plaît, mais comment elle se joue. Voilà, parce qu'après, c'est vrai que si on prend une armée qu'on voit qui fait du corps à corps, qui fait que du tir, qu'on va pas être déçu? Je sais pas. Moi, on peut rajouter que par rapport à ce qu'il a dit, on est d'accord, il faut que ça soit déjà une armée qui plaise au niveau des figurines, c'est parce qu'il y a plusieurs façons d'apprécier le hobby. Il y a le côté un petit peu collectionneur, c'est-à-dire la figurine est belle, ou elle est badass, elle plaît. Bon, après, il faut la monter d'abord en plastique, ensuite il faut la peindre. Donc il y a un côté modélisme aussi, qui peut plaire aussi, et quand la peinture est bien réussie, la figurine, même des fois, peut impressionner le joueur. De par l'esthétique. Esthétique, c'est vrai que l'esthétique, c'est hyper important. La société Games Workshop font des figurines avec une très grande finition. Une très grande imposante. Tu te dis, il faut gérer ça, alors des fois, elle est nulle. Mais il faut le gérer. On fait un petit peu de psychologie avec l'adversaire pour l'influencer. C'est vrai. C'est de la ruse, c'est de la guerre. C'est le jeu de guerre. Il y a des mecs comme ça qui sont super forts aussi. Il y a le côté collectionneur, il y a le côté psychologique, comme on vient de dire, le côté peinture aussi. Il y a le côté tactique et stratégie, c'est-à-dire le jeu à lui-même, il faut faire une armée compétitive pour gagner. Il y a plusieurs plaisirs. Après, moi, ce que je conseille aux jeunes débutants, c'est déjà commencer par une armée qui lui plaît esthétiquement, dans un premier temps. Après, il va prendre le temps d'apprendre à jouer, et après, il pourra modifier et passer sur une armée compétitive. Ok. Voilà. De toute façon, toutes les armées deviennent bonnes et mauvaises en fonction de leur codex, s'il est plus ou moins récent. Exactement, ça tourne. Ça tourne. C'est un bon système de vente. Le général qui commande l'armée. Voilà. C'est vrai que s'il est bien. Il faut bien cogiter. En fait, c'est un petit peu, je comparerais ce jeu à une forme de jeu d'échecs, mais sur une grande table. Donc, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a beaucoup plus de règles. Ok. Bon, mais merci à tous les trois. Voilà. Merci à toi. Merci. Voilà. Nous voici pour la quatrième partie sur Warhammer 40 000, Double Massacre, le tournoi. On y va de suite, c'est parti.
Bon, c'était bien. On tape ? Ouais. Allez, vas-y. Ok, baby. Deux baffes. Endurance 8, on est d'accord ? Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Deux baffes. C'est le plus évolué. Ouais. Oui. Les gars, c'est quoi, D6 ? 3. Oui, D6, pardon. Est-ce que t'exploses ? Non, ça explose pas. D'accord. Je bouge de 3 vers 1, si j'ai rien. T'avais la paire, moins combien, lui ? Moins 3. Et ouais. Pour ça ? Et je prends l'objet. Peut-être que tu veux me dire que je me trompe. Là, par contre, là, tu vois qu'il n'y a pas de... Non, mais je serais... Oui, je vois, mais je suis forcément... Non, mais regarde, t'es pas collé. Si, moi, je suis à l'intérieur, je suis collé là. C'est juste que j'ai pas pu faire ma fille. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que je l'ai fait. Ah oui, parce que moi, j'ai vu que t'étais pas collé là. Parce que même pas collé, même si tu veux, j'ai un demi-pas, malgré tout.